Bonsoir, bonsoir à tous, je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle émission de La Revue. Une triple rencontre, une triple découverte dans cette émission. Ce soir, tout d'abord, un club, un sport et un grand champion. On commence par le champion, à tout seigneur, tout honneur. C'est notre ami Christophe Battista qui est sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Martégal. Oui. Champion d'Europe de tir olympique. Aussi. Licencié au tir olympique de Martigues. Au Tom, ouais. Ça, c'est le club que nous allons vous présenter ce soir. Et l'un des entraîneurs de ce club, Thierry Paladino, est avec nous également. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va essayer d'abord de comprendre ce qu'est ce sport, les différentes catégories de ce sport. On va essayer de suivre aussi votre progression, parce qu'il y a des grands rendez-vous qui arrivent à l'été, pour, à la fois pour le club et pour vous en individuel. On commence peut-être par le club, monsieur Paladino. Vous nous faites un petit historique du club, du tir olympique de Martigues. Alors, c'est un club qui date depuis quand même 1965. On est à peu près plus de 400 membres dans ce club. Il y a plusieurs disciplines, avec bien sûr l'école de tir et puis les adultes en compétition. Oui. Au niveau discipline armes anciennes, le club, l'historique du club a commencé en 2010-2011 oui. et 2011-2012 avec deux titres de champion de France en équipe, plus une médaille d'argent et une médaille de bronze. Pas mal. Avec une équipe qui avait, c'était Gérard Derkasparian, Didier Marle et moi-même. En plus, après, en 2012-2013, Christophe, qui avait un très gros potentiel, nous a rejoint. On a eu comme objectif, par rapport au championnat de France, qu'il soit présélectionnable oui. en équipe de France. Et rien que dans la... Alors on s'était donné 2 ans, et dans la première année, coup de chapeau, il a été entièrement retenu. Satisfaction, il a été retenu, et on va voir sa progression avec lui dans un instant. Quand vous dites qu'il y a différentes catégories, il y a combien de catégories au total que vous couvrez à peu près? Ah ben, nous, de disciplines, il y en a plusieurs. Il y a le pistolet à plomb, qui est oui. la base, et qui est une discipline qui est difficile. On a le pistolet 25 mètres. Oui. On a l'arme ancienne, on a le tir à l'arme réglementaire qui se fait à 25 mètres et à 50 mètres oui. aussi. Et puis voilà, j'ai fait à peu près le tour. Combien de licenciés? 400 licenciés. 400 licenciés et on est à peu près une quinzaine de compétiteurs. Où est-ce que vous vous entraînez généralement? Ben, on s'entraîne ben, sur le stand de tir à Martigues qui se trouve à côté D'accord. de la zone industrielle sud. Alors un champion d'Europe, c'est pas tous les jours sur ce plateau. Christophe Battista, on est très heureux de vous recevoir. Félicitations d'abord parce que c'est assez récent. Hein, c'est Merci, ouais. c'est différent. Vous avez amené d'ailleurs les 3 médailles parce qu'on va voir oui. que dans les différents championnats, c'était au Portugal. Vous avez ramené à la fois en individuel, en équipe, enfin, et en combiné aussi. C'est mes souvenirs sont bons. Plus un record d'Europe. Ça vous a pris quand cette passion pour le. Enfin, cette passion. C'est tout petit Depuis pour tout le tir. Déjà, oui. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? La gestuelle, tout ce qui va autour. Ouais. Arriver à mettre au centre quoi, avec n'importe quelle arme. Enfin, ouais, votre spécialité, c'est l'arme ancienne, c'est ça? Oui. À 50 mètres? À 50 mètres. Ouais. Ouais. Quelle qualité il faut développer pour être bon dans ce domaine-là? De la maîtrise. Oui. Pas mal de maîtrise. Et gérer le stress, essayer de rentrer dans sa bulle et se faire plaisir. Est-ce qu'on est obligé d'être un dingue des armes à feu? On associe souvent le tir avec arme à feu, c'est pas forcément le cas. Non, non, non. Arme ancienne, c'est quoi? Ça se présente comment un pistolet? Enfin, ce sont des répliques pour la plupart du temps. Comment ça des se passe répliques et des originaux. Des originaux aussi? Et des originaux. Mais tout ça est très réglementé par une fédération, bien sûr. Oui, bien sûr, oui. Ouais. Alors, revenons à votre progression, à vos débuts. On est au début des années 2010, hein, 2011, 2000, oui, c'est ça, 2011, si mes souvenirs sont bons. Vous tapez à la porte de l'équipe de France, vous avez envie d'y participer, vous essayez de vous faire remarquer, comment ça s'est passé? En fait, on se fait remarquer lors des divers concours, déjà, parce qu'on croise déjà des gars de l'équipe de France qui sont déjà dans l'équipe. Oui. Et quand on voit qu'on fait les mêmes points, voire mieux qu'eux... Ouais, vous allez les voir, vous leur dites, il n'y aura pas de petite place pour moi. Vous allez pas. Voir le sélectionneur, comment, le DTN, c'est ça? Ben, le DTN, en fait, lui, il a les yeux partout. Il voit les résultats sur Internet, ouais. Maintenant, c'est facile. Le directeur technique national. Oui, sauf que bah, quand on a ses habitudes, quand on a l'habitude de sélectionner toujours la même équipe, c'est pas facile d'intégrer un nouveau. Ah, on casse un peu l'équipe, mais... Ouais. Ah oui, mais il a vu vos résultats. C'est le jeu. On va parler de la compétition aussi, bien sûr, la façon dont ça se passe. On peut parler de l'entraînement, monsieur Paladino. Oui. L'entraînement, alors on a l'impression que le tir, c'est quelque chose d'assez facile à faire, tout simplement. Il y a un énorme entraînement en amont, on est d'accord? Ah oui, on peut s'entraîner 4 fois dans la semaine, hein. On peut s'entraîner toute une journée.
il faut beaucoup de concentration. Et comme il dit Christophe, rentrer dans sa bulle, oublier tout ce qui nous entoure et répéter à l'entraînement, on répète. C'est, comme je dis, c'est un peu comme le patinage artistique. Oui. On répète nos gammes au niveau de la position, on répète nos gammes, mais le jour J, il faut être là. Oui. Il faut être là et gérer notre stress. C'est un rendez-vous avec une compétition, en fait, hein, faire, oui, comme tous les grands sportifs, mmh, mais c'est un rendez-vous avec un jour J présent pour une compétition, être au max de sa forme, en gros. Mais il y a un entraînement physique aussi, beaucoup. Oui, on croise souvent, on fait beaucoup de courses à pied pour baisser notre cardio. Oui. Ça vous plaît, ça, la, monsieur, oui, Baptiste, le jogging, la course à pied? Et moi, en fait, en 96, j'ai fait l'Ironman de Tahiti. D'accord. Ah oui, l'un des plus durs au monde. 3,8 à la nage, 5,80 vélo de route et 42, ouais, terminé. Et vous l'avez fini les doigts dans le nez? Bien. Bien. Ouais, donc vous êtes déjà quelqu'un d'entraîné au, oui, départ. Hein. Ouais. Donc entraînement physique, course à pied, il y a aussi pour les bras, je présume, le haut du corps, du gainage. Oui, il y a un peu du gainage, un peu de musculation. Et puis, il y a surtout de l'entraînement aussi avec la technicité, la position, la visée, ouais, l'appui du doigt sur la détente qui doit toujours être régulière. Parce qu'on parlait de gainage, donc il faut que, je présume, vous soyez dans une certaine position, il faut que le bras ne tremble pas, il faut que la tête soit extrêmement concentrée, il faut que la vision soit bonne. Vous entretenez régulièrement, on est d'accord, hein? Oui, c'est clair. Pour les bras, par exemple, tenez, qu'est-ce que vous faites comme exercice pour maintenir? Vous tirez en bras tendu, c'est ça? Oui, hein, bras tendu. Vous pas appuyé sur le support. Et l'arme, elle varie presque un kilo. 900, 70, ouais, grammes, elle fait. Il y a un fort recul aussi, par exemple. On ne charge pas trop, puisqu'on ne doit pas traverser un métal, juste un carton, on traverse en fait. Il faut, oui, oui. Donc il y a assez peu de... Ce qui fait le recul d'une arme, c'est la quantité de poudre, on est, oui, d'accord. Mmh. Donc il y a très peu de poudre. Ça dépend. On met plus ou moins, quand on tire à 50 mètres, mais un peu plus. Alors, comment se passe une compétition, monsieur Battista? Bon, chacun passe l'un après l'autre, je présume, ou alors non, vous non, êtes non, aligné non, on est en ligne. En ligne. En ligne. Et après, il y a des éliminatoires en fonction, c'est ça? Et vous, non, en fait, on était au Portugal, par exemple, on était 50 tireurs. On tire sur deux cibles. Oui. Donc à 50 mètres de distance. À 50 mètres sur deux cibles. Donc il y a 5 cibles. Ouais. Et c'est à nous de ne pas se tromper de cible aussi. Oui, oui, il faut bien regarder en face. Ouais, et ouais, on tire 13 balles. Il faut savoir qu'en arme ancienne, on tire 13 balles. 6 dans une, 7 dans l'autre. Et l'impact, par contre, par rapport au moderne, il faut qu'il dépasse plus de la moitié du liseré pour être compté positif. D'accord, c'est-à-dire que pour être dans une catégorie, pour être comptabilisé, il faut, voilà, que ce soit un peu plus de la moitié. Plus de la moitié de l'impact. De l'impact. Dans la zone. En, oui, moderne, il tire 10. Oui. Il tire 10, mais juste il coupe le liseré, c'est bon, c'est compté. D'accord, même c'est si ça empiète à peine sur le. Si ça empiète à peine sur le, oui, liseré. À peine, bon, à peine ça coupe le liseré, ça enlève la couleur. Alors j'ai, voilà, des questions de néophyte, moi. Vous avez, oui, allez trouver un peu bébête ces questions, mais. Si un impact arrive au même endroit qu'un impact précédent, est-ce qu'il est. Comment on comptabilise? Alors. Il y a des contre-cibles, ou alors c'est jaugé. Et c'est la jauge, elle est passée qu'une fois à l'intérieur de l'impact. On ne pourra pas la repasser une deuxième fois, cette jauge. D'accord. Donc les arbitres sont autour, il y en a un principal qui est là pour départager. Mais encore une question bête, est-ce que c'est dangereux quand même, faut faire attention Une arme... C'est dangereux. Enfin, c'est dangereux. En une soi, arme, c'est pas dangereux. Vous l'imposez une arme, un couteau, c'est pas dangereux, c'est la personne qui l'utilise. Eh oui. C'est tout. Oui, enfin, ça dénote quand même une grande maîtrise. Il faut une maîtrise et une concentration exceptionnelle, monsieur Palladino. Oui, surtout ça. Et comme il dit Christophe, bon, c'est une arme qu'on se sert pour la précision. C'est un sport à part entière. Oui. Voilà. C'est un sport qui est ouvert aux enfants aussi. Vous, oui, vous avez, dès 8 ans. Commencé dès 8 ans. Dès 8 ans, les dès 8 ans, ils peuvent venir à l'école de tir. Hein, ils tirent au pistolet à plomb. Alors il y a toute une pédagogie, hein. Au niveau du tir c'est un peu comme au karaté ou au judo, il y a des cibles couleurs, petit d'accord, à petit, ils doivent avoir le comportement, le savoir, le savoir-faire. Et donc puis, on est couleurs, je ne sais pas, on commence par quoi, c'est vert, jaune? Alors il y a blanc, jaune, orange, verte, bleu et arc-en-ciel. Marron et arc-en-ciel. Ouais. Oui, c'est comme les ceintures du comme judo. C'est pareil. Exactement. Pareil. Et vous avez chaque année beaucoup de demandes, beaucoup d'inscriptions. Il y a, oui, ça oui, plaît oui, beaucoup. Oui. C'est un sport qui plaît beaucoup. Ça plaît beaucoup. Il faut beaucoup. Il y a beaucoup de dames qui se mettent au tir, des dames âgées qui sont venues et qui prennent goût parce que il faut du calme. Alors le pistolet à plomb, c'est fermé, il n'y a pas de bruit. C'est très apaisant. C'est très, très, très apaisant. Et il y a des dames d'une soixantaine d'années. Il y a tous les âges qui viennent. Et elles ressortent ravies.
Et moi, j'ai une dame qui est venue. Et elles en parlent autour d'elle aussi. Elles en parlent autour d'elle. Et elles veulent faire la compétition l'année prochaine. Et voilà, c'est bon. Parti. Il y a des compétitions seniors aussi, par exemple, ça existe ? Oui, oui, il y a des compétitions seniors. Oui, voilà. Il n'y a que l'Armancienne où là, il n'y a pas de catégorie. Oui. Là, c'est ouvert à tout. C'est pour ça qu'on peut être sélectionnable à tout âge. Bon, Christophe Bassista, on va se parler franchement. L'objectif, c'est d'être champion du monde quand même un jour. Hein, on est d'accord. Essayer, oui. Bien sûr. Alors, il y a des compétitions qui arrivent, et des échéances importantes qui arrivent, notamment les championnats de France qui auront lieu à Bordeaux. Vous m'avez dit au mois de juin. C'est ça. Et en Hongrie, normalement, pour les championnats du monde, on n'a pas encore ni la date ni la ville. C'est 10 jours. Ça va se passer en 10 jours, comme les championnats d'Europe, hein, sur 10 jours. Et alors là, dans ces cas-là, qui sont les meilleurs généralement au monde? Parce qu'en Europe, on a compris que les Français étaient pas trop mal placés. Au Portugal, les Allemands ils étaient premiers. Oui. Les Français, on était juste derrière. Juste derrière. Et on était beaucoup moins nombreux de tireurs. Et au monde, vous savez, les Américains peut-être? Non. Pas du tout. Pourtant, ils ont plutôt une culture de l'arme, alors ça sans doute pas lié, vous voyez que c'est un préjugé. Voilà. C'est pas pareil, ouais, c'est pas... Oui, non, ça n'a rien à voir, mais il y a beaucoup de clubs de tir, enfin ça s'est beaucoup développé quand même. Il y a beaucoup des pays de l'Est aussi qui sont bons aussi. Mmh. Des Coréens aussi, qui sont pas... Les Chinois, les... Précision, tout ce qui est précision. Ouais. Tout ce qui est précision. Bon, on va vous souhaiter de toute façon, pour les échéances qui arrivent, évidemment, on croise les doigts et bonne chance. Moi, j'avais une question quand même sur la visibilité. C'est pas les sports dont on parle beaucoup, c'est pas le foot, évidemment, c'est pas le hand, c'est pas le basket. Vous regrettez un peu que les médias ne s'y intéressent pas ou peu? Alors, c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. On essaie de le présenter, ce sport. Mais... Ouais. Le problème, c'est que les médias, ils s'en intéressent quand... La Fédération française de quand les compétiteurs ramènent une médaille de Rio. Ah. Il y avait mademoiselle. Mais alors, dans le tir olympique, il y a olympique quand même, c'est-à-dire que c'est un sport qui est représenté au JO ou pas? Bien sûr, oui, il va être représenté à Rio. Et vous ne ferez pas partie de l'équipe de France alors, monsieur Battista? C'est pas ma discipline. Ah oui, la subtilité, ouais. C'est arme nouvelle, donc arme moderne. Oui, là, la technologie est pas du tout. Enfin, la technologie, la technique est pas du tout la. Pour la ça, même. C'est autant précis. J'en doute pas une seule seconde. La technique est partout la même. Et la même. Ouais. Et qu'est-ce qui différencie? Alors, pourquoi il y a des disciplines différentes entre armes modernes et armes anciennes? C'est par rapport aux armes. Aux armes, simplement. Oui. Bon. La technologie est très très précise, très pointue pour les armes modernes. C'est vraiment des. Très très précise. Très très bien fini. On a au niveau de la crosse, il y a morphologie de la main qui est pris en compte. Ouais, ce qui n'est pas le cas dans les armes anciennes. C'est ça. Ouais. Bon, on va vous souhaiter bonne chance, hein, Christophe Battista. Bon, on vous reverra avec la médaille des championnats du monde. Hein. Rendez-vous est pris. L'objectif, c'est quoi? C'est une médaille, quelle que soit la couleur, au championnat du monde. Déjà, au championnat d'Europe, c'est inespéré, quoi. Les 3 médailles d'or, plus le record d'Europe, qui bat aussi le record du monde. C'était quoi le record d'Europe d'ailleurs? C'était un point de moins. Moi, j'ai fait 90 points sur deux cibles à 50 mètres. Et le record du monde était à 89. Oui. Mais il faudra le faire au championnat du monde pour le valider. Là, le championnat les points d'Europe, ils sont supérieurs au championnat du monde. Oui. Mais il faut le valider là-bas. Ça vous trotte dans la tête. Ouais, ça vous trotte dans la tête. Sachant que j'ai fait 95 au Tom à Martigues. Donc, c'est jouable, quoi. Bon, vous l'avez dans les mains, quoi, c'est ça. Vous l'avez dans les mains. On l'a fait. Vous l'avez fait. Bon, on s'y informé. Vous reviendrez nous en parler quand vous aurez, même si vous l'avez pas d'ailleurs, la médaille autour du cou, les médailles autour du cou avec l'équipe et en individuel aussi. Merci à tous les deux. Merci. Merci. On vous invite évidemment à aller découvrir si la discipline vous intéresse le TOM, le tir olympique de Martigues à Martigues. Monsieur Paladino ici présent sera ravi de vous accueillir et de vous coacher, de vous présenter cette discipline, les différentes disciplines et de vous initier à ce tir. Merci à tous les deux. Merci. Vraiment bonne chance encore. Merci à vous qui nous suivez très régulièrement. À très vite pour une nouvelle émission. Salut.